Salut à tous, salut Didine, on se retrouve pour la demi-finale de Sims Lanta. Salut tout le monde. Voilà quelques images que vous avez ratées hier, on va dire. Tu as profité de la vue étoilée, ça se rapproche. Alexandre en a profité pour piquer le lit de Florent, vu qu'il est plus là. Ouais. Et c'est le plus âgé, hein, de la tribu. Non, je pense que ça doit lui faire du bien. Justement, dormir dans un lit. Oui. Ah, bah, tu vois, c'est à lui, là, d'aller jeter les poubelles. Ouais, ça change. Ah, le début de l'épreuve de la demi-finale. Donc, ils doivent courir jusqu'au volcan. C'est ça. Et le dernier sera du coup éliminé et ne sera pas en finale. D'ailleurs là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne voit pas Sébastien. Et oui, Sarah est en tête. Alexandre, deuxième. Mais où est Sébastien ? Il marche. S'est-il blessé ? Peut-être, ouais. Mais en tout cas, il va jusqu'au bout. Ouais. Mais un fort mental, hein. Oui. Sébastien. Oui. Parce qu'il est très sportif, donc je pense qu'il s'est blessé. Oui, oui. Et voilà comment se termine l'épreuve de la demi-finale. Il n'y a malheureusement pas eu trop de suspense. Non, donc on le voit arriver à la maison des nominés. On se retrouve sur une belle vue. Avec les deux finalistes. Oui, d'ailleurs, les deux finalistes de Sims Lanta, donc Alexandre et Sarah. Profitent d'aller se baigner dans l'eau claire. Voilà, là ils ont des petits moments pour eux, pour profiter de leur dernière journée, hein. Ah bah oui, il faut s'occuper, parce que là, ça doit être long. Oui. Enfin, ils sont deux encore, mais bon. On voit les dauphins en arrière-plan. Ouais, c'est mal. Oh, une fontaine, c'est magique, hein. Oui. On voit une petite tortue. C'est magnifique, hein. Ouais, on revoit un peu le décor. Et place... à l'épreuve de ping-pong. C'est une épreuve bonus. La personne en fait qui va gagner la partie de ping-pong en fait aura un point d'avance pour le score de la finale, quoi. Donc l'enjeu est quand même de taille parce qu'un point en plus c'est pas négligeable. Oh oui, ça peut tout changer. Tout peut basculer. Donc on rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. T'as consommé avec modération, hein, Didi ? Oui. Et dans les verres, c'est du jus d'orange. Oh là là. Il est pas bien, Alexandre. Non. Et voilà. Donc le point va à... Sarah. Bon, il est quand même bon joueur, hein. Ouais. Dernière nuit sur le camp. Ça va faire bizarre après, hein. Ouais. Ça va faire bizarre. D'ailleurs, ils vont vite se coucher pour vite partir. Parce qu'ils partent tôt demain matin. Ouais, c'est vrai. Donc, le jour se lève, la journée commence. Et ils y vont directement. Ah, ouais. Voilà, demain on se retrouve pour la vidéo de la finale.
Et on vous souhaite de passer une bonne soirée et on espère que notre compagnie vous a plu et l'épisode aussi. Et on vous dit à demain. À demain. Salut. Salut.